Dans cette vidéo, on va présenter la formule du binôme de Newton qui se présente comme suite dans le cadre du chapitre de calcul matriciel. Donc, la formule du binôme de Newton, elle se présente comme suite. En fait, si j'ai deux matrices A et B, en fait, deux matrices carrées qui appartiennent à la même famille de matrices, telles que ces deux matrices sont commutes, en fait, si en fait, je faisais A fois B, je dirais B fois A. Autrement, je peux vérifier que la propriété de commutativité, elle est vérifiée, vu que généralement le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, si je vérifie cette propriété, donc je peux énoncer que la somme de A plus B à la puissance P est égale, donc A plus B à la puissance P est égale à la somme de K égale à 0 jusqu'à P. Donc, la combinaison ici, c'est K parmi P, A à la puissance K, B à la puissance P moins P moins. Donc, ici, c'est la formule G. Étant donné, si je faisais la puissance 0 d'une matrice, ça me donne l'identité. Et en fait, je vais essayer de présenter donc l'utilisation de cette formule avec une petite application. Généralement, on cherche à exprimer A à la puissance n en fonction de n. Donc, on cherche à trouver la structure de différence d'une matrice qui sera composée de deux. La somme de deux matrices qui commutent. Donc, je vais commencer avec l'exemple numéro 1. Et en fait, je vais prendre une matrice, donc les trois matrices suivantes, soit la matrice donc N, I et A est égal à I3 plus A. On cherche en premier lieu, en fait, à démontrer que N est nilpotent, déterminer son degré de nilpotence. Ici, donc, il faut dire que une matrice elle est dite nilpotente si en fait la famille a son degré de nilpotent. Et pour cette raison, donc, je vais essayer de présenter, bien de commencer avec la matrice N qui se présente comme suit. Donc, ici, je vais essayer de commencer avec la matrice N. Donc, je vais noter N comme suite. Donc, soit N, donc je vais noter la matrice N est égale, en fait, égale à 0, 0, 1, 0, 0, 1 et 0, 0, 0. C'est la matrice. Étant donné que j'ai déjà la matrice identité, donc la matrice I3 égale à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, et la matrice A est égale en fait à l'identité I3 plus la matrice N. Et en fait, si je faisais la somme de ces deux matrices-là, je vais trouver en fait ici 0. Donc, si je vais trouver 1, 0, 1, 0, 1, 1 et 0, 0, 1. Et la première question, on vous demande de démontrer que N est nilpotente. Donc, je vais essayer de vous rappeler la définition d'une matrice nilpotente. N est dite. Pour tant de degré en fait, K qui représente le degré de nilpotent si en fait si je faisais le n à la puissance K ça va nous donner en fait une matrice nulle de 3 donc une certaine puissance donc je tiens la matrice. Donc, je vais commencer par n au carré, qui sera n fois n. J'essaie ici de voir si en fait j'obtiens une matrice nulle ou bien non. C'est 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, et multiplier en fait fois la matrice elle-même, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Je peux vérifier que ce produit matriciel, ça va nous donner une matrice nulle.
0, 0, 0. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à trouver? On arrive à trouver que n inférieur ou égal à une matrice neutre de Bourgeois et du fait de conclure que n est nilpotent. Matrice nilpotente. Donc, le degré. Donc, le degré de l'importance du degré K est égal à est égal à 2. Et comme ça, donc, j'arrive à démontrer que N est une matrice nilpotente. On arrive à identifier son degré de nilpotence. Démontrer que N est une loi commute. Donc, ici, donc, dire que deux matrices commutent, je donne le rappel. Donc, si je prenais soit en fait, deux matrices A et B, deux matrices qui appartiennent à la même famille de matrices d'ordre N de R. En fait, je peux dire que A et B commutent si, seulement si. En fait, si je faisais A fois B, c'est égal à B fois A, je vous rappelle que c'est un cas particulier pour les produits matriciels, puisque le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, en fait, si je faisais, pour notre cas, voilà, N, en fait, si je faisais le N fois étroit, logiquement, donc, est égal à étroit fois n, ça nous donne n. Donc, je vérifie la propriété de commutativité. Et de fait, la conclusion, je peux conclure que n est étroit commute. C'est une condition que je dois vérifier pour appliquer la formule donc, de binôme de notre compte. Ici, on peut appliquer la formule de binôme de Newton. Et pour la dernière question, en fait, on vous demande de réduire A à la puissance m. Donc ici, je vais essayer de voir comment on essaie de faire la diffusion de A à la puissance m. En fait, si j'applique la formule du nombre de Newton, en fait, je peux dire, en fait, si j'avais le cadre général, donc A plus B bon, à la puissance en fait, ici, quand je vais utiliser la puissance n, est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n, a à la puissance k fois b à la puissance n moins. Bon, c'est la formule de. Général de la formule de binôme de Newton. En fait, si je remplace le A, je vais remplacer le A par N et le B par étroit. Et on a déjà vérifié que ces deux matrices, ils commutent. Et de fait, ici, donc, je peux faire le travail suivant. Donc, ici, je peux appliquer la formule du binôme de Newton. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, en fait, que, bon, si je reviens à notre application, que A à la puissance n est égal à n plus i3 à la puissance n est égal, si je remplace la formule, je vais trouver que c'est égal à, en fait, à n. La somme de k allant de 0 jusqu'à n de
on appelle de n à la puissance k i à la puissance n moins moins là. Ici, j'essaie d'écrire ou bien d'ouvrir cette somme. Donc, sans oublier, bien sûr, ici, c'est K parmi N. Hein. Cette formule ici, c'est K parmi N. Donc, si je remplace le K par 0, ça va me donner C0 parmi N. N à la puissance 0 soit l'identité de la puissance, en fait, n moins 0. Le deuxième élément, c'est 1, je remplace k par 1, c'est 1 par n. N à la puissance 1, soit l'identité de n moins 0. Plus, donc au niveau du deuxième terme, en fait, c'est 2 parmi n. En fait, n au carré, soit l'identité de la puissance m. Et je continue, en fait, comme ça, à écrire cette somme jusqu'à atteindre n. Voilà. Et en fait, ici, je peux remarquer que n au carré, si il reste une matrice importante, n au carré est égal à matrice nulle de Donc, si je multiplie une matrice nulle fois l'identité, et si je vais trouver l'identité, une matrice nulle fois l'identité, ça donne une matrice nulle fois cette combinaison. Donc le reste, le total, c'est une matrice. Donc tout le reste, donc ça va, puisque n absence 3 aussi, elle est une matrice nulle. Donc je vais trouver plus matrice nulle, plus matrice nulle, jusqu'à atteindre le dernier élément qui va nous donner une matrice nulle. Autrement, cette somme, elle s'arrête au niveau de, en fait, de k est égal à. De fait, je peux écrire que je peux écrire ici que a à la puissance n en fait est égal à n plus i3 à la puissance n et cette somme-là elle s'arrête au niveau de k égal à k égal à 0 jusqu'à 1 de fois n à la puissance k l'identité à la puissance k, puisque en fait le reste est égal à la somme des matrices nulles. Et si en fait on a déjà écrit cette somme-là, donc le deux premiers éléments, et si j'essaie de vérifier ou bien de voir, en fait ici, donc je réécris donc c'est égal à c. 0 parmi n, n à la puissance 0, l'identité à la puissance n moins 0, donc la puissance n, plus c'est 1 parmi n, n à la puissance 1, soit l'identité de l'autre à la puissance n moins 1. Et, simple vérification, je peux vérifier que l'identité à la puissance n ici, c'est l'identité de là. La matrice nulle, donc n à la puissance 0, c'est l'identité de là. Et l'identité fois l'identité, ça va nous donner, donc le total est égal à l'identité de là. C'est 0 parmi n, c'est 1. C'est 1 parmi n, ça va nous donner n. Ici, c'est la matrice n. Et ici, l'identité à la puissance n-1, c'est l'identité de l'étroit. Si je fais le produit n fois l'étroit, ça va nous donner est égal à n. Et du fait, si je simplifie ce résultat, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que a à la puissance n est égal à 1 fois l'étroit. Plus n. Le petit n fois la matrice grand n, puisque grand n fois i3 est égal à grand n. Donc, si j'essaie de remplacer ce résultat, c'est égal à i3, donc c'est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. En fait, plus n multiplié fois en fait la matrice.
plus n, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Si je faisais entrer le n à l'intérieur de cette matrice, donc en champ du temps, je vais trouver a à la puissance n. Voilà. Donc, je vais trouver aussi 1 sur la diagonale. Ce sont des éléments de quantité. En fait, ici, je vais trouver un 0. Ici, c'est n fois 1, c'est la diagonale de n. Ici, c'est n. Ici, c'est 0. 0. Voilà. Ici, c'est 0. Et voilà. Donc, l'élément. Ici, c'est. Je vais trouver 1. Ou bien sûr, pour tout n appartenant à. Ah, n, voilà. Eh bien, je peux mettre pour tout n appartenant à n étoile. Hein. Et en fait, si j'arrive à trouver une structure de récurrence, si en fait, j'arrive à trouver une structure de récurrence, généralement, il faut démontrer par récurrence. Ici, par donc, si je vous rappelle les étapes de démonstration par référence, en fait, ça revient à l'étape numéro 1. Donc ici, l'étape numéro 1. Voilà. Donc, ça revient à vérifier. Et, hein, là, et R, hein. Par exemple, si je suppose que le premier terme n égale à 1, donc je vais essayer en fait de remplacer, voilà, même pour n égale à 0, elle est vraie, hein. Donc je sais, je vais essayer de remplacer n par 1. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc ici, si je reviens, voilà, si je reviens donc à la propriété qu'on a déjà trouvée, a à la puissance 1, ici, donc il suffit de remplacer, si j'ai déjà 1, et au niveau de cette position, je remplace par voilà. Donc, autrement, ça va nous donner la matrice A de départ, hein, qu'on a déjà notée au début, c'est la matrice A. Et donc, je peux dire que, en fait, ici, que la n est égal à. Est égal à la propriété élevée pour n égal à. Étape numéro 2 de la démonstration par récurrence, qu'est-ce qu'on doit faire en supposant que la propriété est. Qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que A à la puissance n, voilà, je vais supposer que A, en fait, que A à la puissance n est égal à la puissance n, voilà, est égal à A 0 n, 0, 1, n et 0, 0, 1. Donc, je vais supposer que cette propriété elle est vraie pour n. Donc, l'étape numéro 3, donc, 3 de la récurrence, on prend que. Plus 1. Et qu'est-ce qu'on cherche à démontrer ici? En fait, on cherche à démontrer que, par exemple, voilà, on cherche à démontrer
que a à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, je cherche à démontrer que a à la puissance n plus 1 égale 1, 0, n plus 1, 0, 1, n plus 1 et 0, 0, 1. C'est en fait la propriété que je cherche à démontrer. En fait, je connais que a à la puissance n plus 1 est égal à a à la puissance n multiplié fois fois. Et on connaît déjà l'expression de a à la puissance n qu'on a déjà supposé vrai, est égal à 1, 0, n, 0, 1, n, 0, 0, 1, multiplié en fait fois a, qui est égal en fait à 1, 0, 1, 0, 1, 1, et 0, 0, 1. Et si j'essaie de voir le résultat, en fait, si je faisais la ligne multipliée fois première ligne fois première colonne, donc ici, ligne fois colonne, je vais trouver en fait 1. Ensuite, je vais trouver 1, 0. Ensuite, je vais trouver 1 plus 0 plus n. Je vais trouver n plus 1. Je passe ici, donc je vais trouver 0, 1. Et de même, ici, je vais trouver 1 plus n, c'est n plus 1. Et la dernière opération, donc ligne 3 fois 1, c'est 0. En fait, ensuite 0. Et à la fin, je vais trouver. Donc là, il va démontrer que a à la puissance n donc est égal à la quantité que je cherche à démontrer. Donc je peux dire que ici, donc je peux en fait dire que la propriété pour n plus 1 et donc comme ça j'arrive à démontrer cette propriété donc par référence je peux dire que en fait pour tout n voilà et, en fait pour tout n appartenant à n étoile je peux dire que a à la puissance n est égal à 1 0 n 0, 1, n et 0, 0, 0. Et même si je remplace, si je remplace n pour n égal à moins 1, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver a à la puissance moins 1. Est égal à quoi en fait? Est égal à 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 1 et 0, 0, 1. Et en fait, je peux vérifier que a fois a moins 1, automatiquement, ça nous donne la matrice identité de l'autre. Autrement que cette propriété, elle est vraie aussi pour, en fait, n égale à, en fait, pour n est égal à moins 1, et même aussi pour n égale à 0. Autrement, je peux prendre n'importe quelle n. Donc, cette forme de récurrence, elle nous permet en fait d'avoir n'importe quelle, en fait, quelle puissance sans que je... Donc, directement, je remplace juste dans cette propriété pour avoir en fait une matrice à la puissance n, à la puissance n. Et en plus, elle nous permet aussi d'avoir la matrice inverse à moins 1 et de fait donc c'est important d'utiliser la formule de binôme de Newton donc c'est une formule intéressante afin de trouver en fait la forme de récurrence d'une matrice carrée à la puissance n voilà donc comme ça on achève la présentation et l'application concernant la formule de binôme de Newton.